Coucou à tous, c'est Krim, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur l'add-on Les Saisons qui vient tout juste de sortir il y a à peine quelques heures. Et donc je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir toutes les nouveautés de cet add-on qui était très très attendu par les joueurs et par moi aussi. Voilà, ça va apporter tellement de nouveaux gameplay et tout que je suis très impatiente de vous faire découvrir tout ça. Donc là, dans cette petite vidéo, on va présenter un peu le CAS. Et puis après, dans les vidéos suivantes, on essaiera d'aller un peu voir qu'est-ce qui se passe dans les différentes saisons. Et puis le gameplay, et puis les objets, tout ça. Voilà, on est parti. Donc voilà, c'est l'écran d'accueil. Découvrez les conséquences de la météo, d'accord. Profitez des activités saisonnières, célébrez des jours fériés et faites carrière dans le jardinage. Bon, on est parti. On se retrouve donc dans le CAS pour voir un petit peu toutes les nouveautés apportées par cet add-on. On commence par une petite robe avec plein de petits cœurs qui me fait penser un peu à une robe qu'on a eue dans un autre pack, dans le pack Jardin Romantique. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, par contre, il n'y a qu'une seule couleur. Voilà. Donc elle est juste... Pardon madame. Elle est juste toute rose avec des petits cœurs, hein, si je ne me trompe pas. Non, voilà. Ensuite, donc ça c'est la tenue d'apiculteur, je suppose. Bon, c'est classique, hein. Pareil, on n'a qu'une seule couleur. Ensuite, alors un espèce de combi short, j'avoue que je suis pas forcément fan, mais pourquoi pas. J'aime pas trop. Donc, bien sûr, ça vient dans pas mal de couleurs. Des unis, des pois unis, enfin voilà. Okay. Alors ensuite, j'adore. Alors ça c'est plutôt dans le maillot de bain, hein, forcément, bon ça apparaît là-dedans. D'ailleurs j'ai peut-être pas bien mis ce qu'il fallait. Catégorie tenue quotidien, oui voilà, c'est grave. Donc on verra ça après. Donc ensuite, on a la Mère Noël. Bon, ça peut être sympa pour une soirée déguisée. Ils vont pas s'ennuyer, dis donc. Sinon, je pense que je le mettrai pas souvent, en fait. Donc, plusieurs couleurs aussi, même si techniquement, la Mère Noël, c'est surtout en rouge. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ensuite, on a un petit impair, on va dire. Très joli. J'aime beaucoup, sur une petite jupe. Alors on a un gros impair, c'est plutôt en mode il pleut beaucoup, sur un jean. Alors j'ai pas montré les différentes couleurs, pardon. Voilà, du petit impair, excusez-moi, il est très tôt hein, ou très tard, ça dépend d'où on se place. Et du coup je zappe un peu des choses. Donc ensuite on a l'impair, j'ai dit, hop, qui vient donc pareil je pense avec des tons unis et puis... Et puis d'autres qui le sont moins, hein. Voilà. Ok. Et donc après on passe sur celui-là, donc bah, c'est un peu le même, je pense. C'est exactement le même. C'est étrange. Avec juste d'autres couleurs. À pois, à fleurs, à feuilles. C'est au choix. Faites votre... C'est comme vous voulez. Ensuite, on a le déguisement de nain. Alors là, clairement, moi, les déguisements, c'est pas mon truc. Hein. Donc, voilà, je vais jamais m'en servir. Mais bon, sinon, c'est plutôt bien fait, mais juste, je vais jamais m'en servir. Pareil, il vient... Le nain vient dans plusieurs couleurs. Ensuite, une robe pull. Alors ça, j'aime beaucoup. Pareil, plein de couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Non, j'aime beaucoup ça. Ensuite, une petite robe d'été, si asymétrique, très sympathique aussi. J'aime beaucoup hein, le CAS de cet add-on pour l'instant. Je suis pas déçue. Ensuite, bah, un autre déguisement, hein, le lapin. Alors, il est mignon, hein, il est mignon tout plein, mais c'est pareil. C'est quel moment vous voulez qu'on mette ça.
Non, c'est joli, mais je m'en servirai pas. Ensuite, on a une autre petite robe d'été. Très jolie, un peu évasée, un peu patineuse. Voilà, des fleurs, des teints unis, tout ça. Alors ça, on a la mère Noël, mais quand il fait un peu plus froid que tout à l'heure. C'est moins court. Moins que ça tient plus chaud, hein, vous me direz, hein, parce que dans l'autre tenue, il y a de quoi se cahier quand même. Hein. Et enfin, ah oui, alors ça c'est le même que en haut, mais version kawaii quoi. C'est spécial. Hein. Bon, je vous remonte pas les couleurs parce que c'est les mêmes. Ensuite, en tenue habillée, bah, on a de nouveau la petite robe. Oh waouh. On a une très 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 jolie robe pour jour de l'an, des choses comme ça. Avec des brillants. Très jolie, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est très sympa. J'aime beaucoup les petits détails. La matière du gilet et tout, non, c'est top. Alors ensuite, on a ça donc dans pas mal de couleurs. Et puis c'est tout pour les tenues habillées. Oh, c'est joli comme ça avec le nœud. Avec le nœud rouge comme ça, c'est super beau. Ensuite, la tenue de sport, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est une tenue de sport. Ah oui, c'est la tenue de patinage. Voilà. On va aller faire du patinage artistique. Donc il vient donc dans plusieurs couleurs et du coup c'est pas tout à fait les mêmes modèles suivant les couleurs. C'est très joli. Pour dormir, bon, on a rien. Pour la fête, bon bah ça on a vu, ça aussi et ça aussi. Ok, on a tout vu. Les maillots de bain. Alors celui-là mes amis, j'adore. J'adore ce maillot de bain pin-up, il est super. Je suis complètement fan. Il est juste extraordinaire. Après, dans les autres maillots de bain, on a quoi? Bah ça, c'est pas vraiment un maillot de bain, hein, c'est un peu une robe. Et ça, ouais, c'est une espèce de robe de plage. C'est plutôt sympathique. Donc, ça vient dans plusieurs couleurs. C'est super sympa avec le maillot de bain qui ressort. La partie transparente là, non, c'est vraiment top. Super. Ah oui, alors ça, c'est les deux nouvelles catégories de... Comment ça s'appelle ? C'est les deux nouvelles catégories chaud et froid. On n'a pas vu ça. Donc ça, c'est j'imagine, voilà, la tenue... Ah oui, c'est parce que c'est... Non, c'est un corps entier pourtant. Donc ça, c'est la tenue pour aller jouer dans la neige, quoi. Faire des bonhommes de neige, tout ça. Hop. Plein de couleurs. Ça, on l'a vu déjà. Et tout ça, on les a vus. Ouais. Ouais, tout ça, on les a vus. Donc voilà, ça, c'est tout pour les vêtements adultes, femmes. On n'a pas été voir les cheveux, d'ailleurs. Quelle erreur. Donc nous allons commencer par les cheveux. On va se remettre. Ah oui mince, on est resté en... Attends, on va se remettre. Non, moi j'aime bien celle-là. Les cheveux. Donc on va se mettre. Pac. Il est où? Et la saison. Donc, on a 6 nouvelles coiffures. Donc la première tressée derrière. Ça peut être sympa. Ensuite, une coupe mi-longue, bicolore. Alors attendez, parce que du coup, suivant les couleurs... Ah non, il n'y a qu'une couleur. Ah oui, non, je suis... Pardon. Oh la vache, je suis fatiguée. Chercher les couleurs directement sur la vignette... Donc voilà, suivant les couleurs qu'on prend, on a différents
différentes mèches. Hop, hop, et hop. Bon, c'est pas mal, hein. On va se remettre en onde. Ensuite, une coupe courte, une petite queue de cheval. Une coupe, alors celle-là, clairement, je vous dis, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est moderne, elle est sexy, elle est au top. J'adore comment elle tombe, ça va devenir ma nouvelle coupe préférée. Je vais la mettre partout, de toute façon. Ensuite, on a ça, donc plutôt pour les cheveux un peu ondulés. Une demi-queue et la même coupe que tout à l'heure, mais en une seule couleur. Oh, ceci dit, celui-là aussi, il lui va bien. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, les deux dernières... Enfin, toutes les coupes de cheveux, elles sont sympas. Franchement, il n'y a pas à dire. Bon, alors on fait un petit peu dans le désordre, hein. Je suis désolée. Donc après avoir vu le corps entier, les cheveux, on va passer sur le haut et le bas. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est... Voilà. Point où on en est. On va se mettre en saison. Allez, on y retourne. Donc, on va te mettre un bam. Donc, on est parti pour les bas. Donc on est parti pour voir les hauts. Attends, on va peut-être te mettre un bas, madame, parce que quand même... Ouais. Premier qui vient, on s'en fiche. Allez, un jean, ça sera passe-partout. Alors, donc en haut, on a un petit top. Qui vient, voilà, fleuri, uni. Bon, sympa, un petit top d'été, très bien. Après, on a alors ça. Ça, quand je l'ai vu dans le live avec les gourous, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il est super. J'adore. J'adore ce petit gilet, là, avec le t-shirt manche longue dessous. Il est parfait, franchement. Je suis complètement fan. Ah oui, il y a deux, trois... Dans Stadon, il y a vraiment deux, trois éléments du CAS dont je suis extrêmement fan. Ah ouais, non, il est top. Ensuite, on a un pull, bah là c'est clairement un pull d'hiver pour, pareil, dans la neige, très coloré. Vous avez plein de couleurs. Voilà, c'est top. Ensuite, on a pareil, un petit gilet d'hiver, peut-être plus pour l'intérieur. Après avoir fait des batailles de boules de neige, vous rentrez, vous enfilez ça. Ça tient chaud, c'est parfait. Très bien. Ensuite, alors là, on a la version... je vais jouer dans la neige, mais plus classe, quoi. Tu vois, genre... genre plus classe, quoi. Du coup, pareil. Plein de couleurs. Après, on a un petit pull, voilà, pareil, bien chaud. Peut-être plus pour l'intérieur, l'hiver, quand il fait froid. Voilà. Ensuite, on passe sur un petit top d'été, là, clairement. Avec plein de petits détails, les petits nœuds. Petits nœuds ici, les petits nœuds là. C'est super mignon. Un petit crop top. Alors ça, clairement, ça ira pas à toutes mes simsets, hein, parce que... Mais c'est sympa. On va prendre à quoi ? Un petit t-shirt aux couleurs du printemps, je dirais. Oh, ça c'est pas un t-shirt de saison, ça. Mais ça non plus ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Se sont tapés l'incruste ! C'est pas des t-shirts de saison, ça ! Bande de Joule incruste, là. Donc là, on est sur saison, je pense. Même pas. Mais qu'est-ce que c'est ? Bon bah... Non, c'est fini. Ça s'arrête là. Voilà. Puis après, je sais pas. C'est des gens, ils se sont incrustés. On sait pas pourquoi. C'est pas grave. Du coup, on va passer au bas. Donc je remets mon petit gilet... Ah bah non, j'ai pas été ailleurs. Donc là, il y en a pas. Là, bon bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, bah, c'est celui, c'est pareil, c'est un qu'on a vu, ça aussi on a vu, ça on a vu, puis tout ça, on a vu. Alors ensuite, on va aller sur les pantalons, en espérant qu'on n'ait pas d'incruste.
Pack saison. Alors, au niveau des pantalons, on a donc un premier pantalon un peu chaud, je pense, plutôt pour aller dans la neige. Hein. Voilà. Oui, c'est le bas du pantalon de la tenue neige de tout à l'heure, je pense. Voilà. Ensuite, on a, bon là, clairement un pantalon pour aller faire des batailles de neige, très très coloré. Voilà, suivant. Ah. Pour aller découvrir un peu toutes les colorations. Ensuite, on a une jupe à bouton droite qui arrive au genou. Mince, excusez-moi, je vais plus vite que la musique. Jusqu'au genou. Ah, j'aime bien le dégradé comme ça, c'est joli. C'est sympathique. Voilà, enfin, classique. Très joli. Ensuite, on a une jupe un peu plus courte. Pareil, avec des petits boutons devant. Hop, 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 hop. Un short. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Il est très sympathique. Bah, pas forcément avec le petit gilet que j'ai choisi. Mais un petit short comme ça, avec un petit nœud. Parce que du coup, on voit pas le nœud. Pardon, madame. Voilà. Avec la petite ceinture et le petit nœud. Qui arrive, voilà, dans plein de couleurs différentes. Toujours avec la ceinture assortie. C'est top. Et puis après, on a un petit short qui ressemble un peu à des shorts qu'on a déjà dans le jeu. Mais bon, bah, ça fait des modèles différents. Hein. C'est pas mal de diversifier un peu ses choix. Et ça, ça c'est pas dans saison. Ça, c'est pareil, c'est Joe l'incruste. Voilà, donc on va se remettre sur le petit gilet là. Et en bas, on va se trouver un petit pantalon d'hiver. Voilà, tranquille. Parfait. Donc ensuite, on a vu les t-shirts, le corps entier. Ici, les accessoires. Qu'a-t-on ? En accessoire. Alors, ah oui, bon, il faut encore que t'enlèves ton haut, hein, excuse-nous. Donc, on a des petits bracelets. Attendez, parce que j'ouvre tout parce qu'il y a de l'arnaque là. Donc, on a ces bracelets là qui effectivement sont de saison. On a ceux-là de l'autre côté avec le petit soleil. Sinon, on a ça. On a des gants, parce que c'est important quand même les gants pour aller jouer dans la neige, les gars. Faut pas y aller les mains nues. Et ensuite, sinon, on a ceux-là devant. Voilà, pareil, qui sont sympas. Pour aller effectivement envoyer des boules de neige sur tout le monde. Et enfin, on a un collant, donc là forcément on ne le voit pas. On a un collant un peu bariolé. Un peu. Léger. Voilà, je pense que ça c'est le collant qui va avec la Mère Noël. Hein. Voilà. C'est pareil, sinon on va pas le mettre souvent. Mais bon, pour un thème particulier, ça peut être sympa. Hop, on va enlever les accessoires et on va se remettre en tenue. Voilà, les chaussures. Qu'est-ce qu'on a comme chaussures? Est-ce qu'on a des chaussures d'abord? Telle est la question. Donc oui, on a des bottes. Excuse-moi, faut enlever ton pantalon encore. On a des bottes un peu fourrées. Des bottes plus basses. Des grosses bottes de pluie. D'autres bottes de pluie. Des petites bottines sympathiques que j'aime beaucoup. Et tout ça, je suis sûre que c'est pas saison. De toute façon, voilà. C'est encore des incrustes. Ouais, c'est n'importe quoi, j'ai failli oublier les accessoires du visage et les chapeaux. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on a des nouvelles boucles d'oreilles. De saison. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en live. Donc on a des très jolies petites fleurs. Très colorées. Ça c'est pour le printemps. Après on a les feuilles pour l'automne. Voilà. Ça doit être pour l'été. Ou alors ça c'est pour l'été et ça c'est pour le printemps, je ne sais pas.
Peut-être les fleurs c'est pour l'été et puis le reste c'est pour le printemps. Voilà. Et puis l'hiver, on a le petit bonhomme de neige. Non, ah, pardon, excusez-moi, j'ai anticipé, je suis déjà sur une aile de soleil. Donc les petits binômes de neige qui vient donc dans plein de couleurs. Ensuite, les lunettes de soleil. Voilà, forcément. Très jolie. Très grosse. Mais très jolie. J'aime beaucoup. Ah oui, non, alors ça, par contre, j'aime moins. Ouais, voilà. Ah non, je les préfère tout en noir. Ouais. Non, c'est pas terrible ça. J'aime moins quand c'est. Enfin, bref. Je préfère quand c'est tout en noir. Alors ça, c'est des lunettes de soleil, les gars. Ça, c'est pour aller faire du ski. C'est intégral. Avec ça, il peut rien vous arriver. Ensuite, alors ça, je suis pas sûre que ça protège beaucoup du soleil, mais c'est un certain style. Ça va pas avec tout, hein, clairement, hein, faut. Voilà. Mais bon, c'est. Pourquoi pas? Après, on a. Alors, ça, c'est. Ouais, des lunettes. De vue, je dirais. Un peu futuriste. Et après, on a ça. Oh mon Dieu. Alors. C'est saison, ça? Non, c'est pas saison, ça, je me disais bien. Ils font chier là les lingues de taper l'incru. Ah bah celui-là aussi c'était pas saison. Oh là 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 là, je sais même pas ce que j'ai dans mon jeu, c'est une horreur. Donc après on a un espèce de collier, comment dire, en cordage, hein, en quelque sorte, qui vient dans plein de couleurs différentes. Et pour finir, on a un petit collier très joli. J'aime beaucoup le collier. Ça va pas avec le reste forcément, toi tu t'en vas. Mais très très joli collier, moi j'aime beaucoup. Ensuite les chapeaux, parce que j'avais oublié les chapeaux. Alors c'est pareil, on va se taper toutes les choses que j'avais jamais regardées avant. Alors ça c'est le chapeau de paille de l'épouvantail. Ensuite on a un petit chapeau d'été. Très mignon. Un chapeau pour se protéger du soleil, magnifique. J'ai exactement le même IRL. Le chapeau de l'apiculteur pour pas se manger les abeilles. La mère Noël, hein, bien sûr, c'est très important. Un petit chapeau fleuri. Les bonnets, parce que les bonnets quand même. Alors c'est les bonnets qui recouvre que le haut de la tête, pas les oreilles. Ça sert à rien les oreilles. Alors j'ai peut-être pas choisi la meilleure coupe avec ce bonnet-là, parce que ça fait un peu spécial. Ouais, c'est un peu étrange tout ça. Ça doit être joli sur une autre coupe. Non, on va aller voir tout de suite au point où on en est. Ouais. C'est un peu haut sur le crâne, non? Enfin. Je trouve que c'est un petit peu haut placé tout ça. Le bonnet ça va, mais ça fait très très haut. Ensuite, ah ça c'est un chapeau des pluies. On a un autre bonnet. Je préfère celui-là. On a quoi? Oh, c'est super mignon pour la mère Noël aussi. Ça c'est pas saison, ça c'est. Ça, c'est des Joules incrustes. Voilà. Donc, très mignon. J'aime beaucoup les bonnets. J'aime moins celui-là. Pourtant, j'aime bien la forme, mais je trouve qu'il tombe pas bien. Il est trop haut, en fait. Bon, tant pis. Est-ce qu'on a du maquillage? Non, on n'a pas du maquillage. Parce que ça, c'était déjà là. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour les femmes. On va donc pouvoir passer aux hommes. Donc, pour vous présenter les nouveautés du CAS pour les hommes, j'ai fait appel à Pierre, qui est un des Sims que j'ai créé et que vous pouvez retrouver dans la galerie si ça vous intéresse, qui est un charmant jeune homme. Voilà, bref. Donc, Pierre va nous servir de cobaye. On va essayer pour les hommes de faire dans l'ordre, hein,
parce que pour les femmes, c'était un petit peu pumped up dans tous les sens. Donc, on va essayer de rester plus cadré pour les hommes. Donc, on va commencer par les coiffures. On a donc trois nouvelles coiffures. La première, j'aime beaucoup, ça lui va très bien en plus. C'est une queue de cheval, très sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite, on a donc la demi-queue frisée comme pour les femmes. Et enfin, on a la petite queue de cheval aussi, qu'on pouvait retrouver chez les femmes. Donc nous, bah, vous avez compris, on va les mettre celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des nouvelles barbes? Alors maintenant, je me méfie avec les incrustes, là, hop. Donc on a une seule nouvelle barbe, la voilà. C'est plutôt la barbe du Père Noël, n'est-ce pas? Voilà, qu'il faudra mettre. Parce que j'imagine qu'on a un costume de Père Noël plus loin. On va s'en passer, hein, on va s'abstenir. On va revenir comme il était avant, voilà, très bien. On va aller voir les chapeaux tout de suite, comme ça on les oubliera pas. Chapeau de paille, hein, comme pour les femmes, le petit chapeau. L'apiculteur, comme pour les femmes aussi. Le Père Noël. Le chapeau de pluie, le bonnet. Ah, il y a un bonnet de moins que pour les femmes. Et le petit chapeau façon Père Noël. Voilà, donc on va lui enlever ça. Ensuite, les accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes lunettes. On a les mêmes lunettes un peu de sport, de neige, que pour les femmes. Et les mêmes lunettes un petit peu, immétables. Des femmes aussi. Voilà. Est-ce qu'on a... Non, tout ça, c'est des vieux colliers. On va lui enlever ça quand même, on n'est pas des sauvages. Et on va aller voir les vêtements. Allez, les vêtements. On va commencer par les vêtements en entier. Saison masculin, catégorie de tenue, quotidien. Allez, on est parti. Ah, il y en a moins, il y en a beaucoup, beaucoup moins que pour les femmes, comme bien souvent d'ailleurs. Donc une première tenue, mi-saison on va dire, un petit sous-pull, un pantalon, une petite veste. Qui vient donc dans pas mal de couleurs aussi. Ensuite, alors c'est sympa mais peut-être pas de cette couleur. Ah bah il n'y a qu'une couleur. D'accord, donc ça c'est le petit costard rose qui va avec la robe rose. Alors forcément ce qui était assez mignon chez madame, l'est peut-être un, comment dirais-je, c'est peut-être un petit peu too much chez monsieur. Mais bon, voilà. C'est dommage parce que j'aime bien la forme. Il y a bien des gens qui vont nous refaire des recolorations. Ensuite, une petite tenue aussi mi-saison, automne. Avec la petite veste, le pull, le jean. Qu'on retrouve aussi dans pas mal de couleurs. Hop. La tenue d'apiculteur qui est la même que pour madame. Et puis les costumes qu'on mettra jamais, enfin que je mettrai jamais. Et le costume, plutôt, peut-être pas Père Noël, peut-être plus Saint-Nicolas, enfin festif, quoi. Ensuite, en bien habillé, on a quoi? Ah, on a un costard sympathique. En tout cas, j'aime bien, on va voir dans d'autres couleurs. Ah ouais, ça j'aime bien. J'aime beaucoup, bien cintré. C'est très sympa. Franchement, vraiment pas mal. Puis ça lui va tellement bien. Et on retrouve notre costard rose de tout à l'heure. Le sport. Ah, magnifique. Merveilleuse tenue de patinage, très saillante. Qui donc vient un peu dans des couleurs assorties à ceux de madame. Voilà. Ensuite, pour dormir, il n'y a rien. Pour ça, c'est ce qu'on a déjà vu pour festif. Les maillots de bain. Il n'y en a pas? Genre, il n'y a pas de maillot de bain. Il n'y a pas de nouveau maillot de bain pour les hommes. Bon. Surprenant quand même. Pardon. Je suis con. Ils doivent être dans la catégorie bas. Voilà. Faut que ça monte jusqu'en haut, hein, quand même. Faut que ça monte jusqu'en haut. Du coup, on va aller voir les hauts et les bas, n'est-ce pas?
Donc, en haut, alors on a ça. Alors moi, clairement, je le dis personnellement, l'école comme ça, hyper profond chez les mecs, je suis pas fan. Bon, c'est censé être un maillot de bain, mais tout de même, je suis pas extrêmement fan. C'est spécial quand même, hein. Ça, bon, bah, c'est un t-shirt basique. J'ai commencé par les maillots de bain, bah, c'est pas grave, on va partir à l'envers. Donc c'est pas beaucoup plus structuré que chez les femmes, mais tant pis. En fait, y a rien. Pour dodo, y a rien. En sport, bah, y a les deux qu'on vient de voir. Un petit sweat spécial lama. Qui vient donc, pardon, je vous ai même pas montré les couleurs. Qui viennent donc dans plusieurs couleurs. Ensuite, on a une petite veste de sport plus classique, je dirais. Voilà, ça doit pas être saison. C'est bien ce que je me disais. Et ensuite, on a quoi? Hop, ça, on a rien. Et en quotidien, on a... Tu veux pas mettre un pantalon, quand même? C'est pas que... Voilà. C'est pas que je t'aime pas sans pantalon, mais quand même. Donc, on a une petite veste plutôt chaude, avec une petite écharpe. Donc ça, c'est plutôt pour l'automne. Enfin, pas super chaud, donc plutôt mi-saison, mais... Notre fameux t-shirt, voilà, dont je suis absolument pas fan. Désolée. Non, je suis pas... ça me vend pas du rêve, je suis pas fan. Ensuite, la petite chemise ouverte pour l'été, tranquille, pour montrer les abdos, parce que c'est important de montrer ses abdominaux. Voilà, plein de couleurs. Magnifique. Le t-shirt qu'on a déjà vu plus loin, la veste de lama qu'on a vu aussi. La doudoune, alors là on est carrément dans l'hiver, hein, clairement. C'est la grosse doudoune. Plein de couleurs, très colorées, sombres, enfin il y en a pour tous les goûts. Le petit sweat, on l'a vu plus tôt. La veste, alors la veste, j'adore. Je trouve cette veste extrêmement bien faite. Franchement, j'adore la moumoute, tout, tout est excellent. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Quelles que soient les couleurs. Je la trouve très très belle cette veste. Ensuite, on a... Alors là, c'est plutôt, voilà, été, printemps. Et tout le reste, c'est des joules incrustes. Les bas maintenant. Donc on va se mettre avec la veste que j'aime bien, après tout. C'est moi qui choisis. Donc en bas, on a le même pantalon un peu d'hiver que chez les dames. Hop, voilà. Le même ici, donc les mêmes coloris, on retrouve la même chose. Donc au niveau bas, on retrouve là un petit... Fais voir si t'enlèves le t-shirt, ça gênera personne. Un petit short court, un peu comme les filles tout à l'heure, mais sans forcément la ceinture et le petit neuneu qui va bien. Voilà, plein de couleurs différentes, c'est sympa. Après, on a quoi? On a un pantalon basique. Moi j'aime beaucoup, avec la petite ceinture et tout. Très très bien, franchement. Ouais, rien à dire. C'est pas mal hein, tout ça. Pour l'instant, tout ce que je vois me plaît beaucoup. Un short. Voilà les fameux shorts de bain que j'étais étonnée de ne pas trouver tout à l'heure dans la catégorie ensemble. Donc un short qui va très certainement être le nouveau maillot de bain. Voilà. Et enfin, un petit pantalon basique, toute saison, peut-être plus pour la neige, je sais pas. Ouais non, si, peut-être plus pour la neige quand même. On verra bien dans quelle catégorie ils l'ont mis. Ensuite, est-ce qu'il y a des pantalons classe? Non, des pantalons de sport, bon, on l'a vu celui-là tout à l'heure aussi. Rien pour la fête, rien pour dormir, et donc le fameux maillot de bain que je cherchais tout à l'heure, qu'on a vu un peu plus tôt dans les shorts. Donc on a vu les t-shirts, on a vu les ensembles, on a vu les bas, on va aller voir les accessoires. Bah il y a juste un... Ah oui, non, je suis pas... Pardon. Je suis pas dans la bonne catégorie. Donc il y a un bracelet, et puis après... Ah, reviens. Et puis après, il y a les deux gants, les deux mêmes gants que chez les dames, parce que ça n'a rien à voir, voilà.
il y a les deux mêmes gants que chez les femmes, donc dans les mêmes coloris, pour aller plutôt dans la neige. Les chaussures quand même, qu'on n'oublie pas les chaussures, donc je pense que c'est quasiment les mêmes que chez les dames. Hop, excuse-nous, t'as la classe avec les gants, le caleçon et les bottes. Donc des petites bottes. Après on a les, voilà, on retrouve les mêmes bottes basses. Les bottes de pluie, les mêmes. D'autres bottes, alors ça c'est plutôt des bottes de neige et tout ça, c'est fait pas partie de saison, donc on s'en fiche. Donc là on est plutôt sur des bottes de neige. Donc on va trouver de quoi t'habiller, monsieur, on va t'habiller avec le pantalon que j'aime bien, et la veste que j'aime bien, et puis les chaussures, les premières bottes étaient sympas. Voilà, nickel. Au top. Je crois qu'on a fait le tour des hommes, j'espère que j'ai rien oublié. On va pouvoir passer aux catégories enfants et bambins. Donc on va maintenant découvrir ce que nous réserve le CAS pour les petites filles. On va commencer par les cheveux. On a donc deux nouvelles coupes de cheveux. La première, c'est un chignon avec un petit nœud. J'aime beaucoup. Franchement, je suis pour l'instant emballée par cet add-on. Et encore, je n'ai vu que le CAS. Je sais même pas tout ce que je vais pouvoir découvrir d'absolument merveilleux dès que je vais attaquer le gameplay. Donc, bref, on va se détendre, on va pas anticiper, on reste où on en est, c'est-à-dire sur les coiffures. Donc le chignon avec le petit nœud est juste trop adorable. Oh, même celle-là, elle est trop mimi. Des tresses plaquées qui finissent avec les cheveux frisés derrière. C'est juste trop beau, j'adore. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on a en bonnet, chapeau? Alors, un petit bonnet de lutin ou de oui-oui, ça dépend, c'est vous qui voyez, suivant votre interprétation. C'est mignon avec les petites oreilles d'elfe. Un petit bonnet, ça c'est pour l'hiver, toujours pareil, hein, les bonnets ça couvre pas les oreilles, c'est bien connu. Plein de couleurs. Et un chapeau de pluie, trop mignon, avec des petits yeux, ça fait un petit visage. Oh, j'adore celui-là avec qui ressemble à une fraise. Après, ça c'est plus uni. Ouais, c'est trop mignon. J'adore celui-là. J'adore le chapeau fraise. Ensuite, les accessoires. On en a pas. Ah bah si, on en a. Ah bah, je me suis pas mis en saison peut-être. C'est ma faute. Voilà, saison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bizarre quand même, il n'y a pas de... Pas de lunettes de soleil, rien. C'est quoi ça? C'est saison, c'est pas saison? Non, c'est pas saison tout ça. Non, mais il n'y en a pas. Ok, tant pis. Maquillage, forcément, il n'y en a pas. On va aller voir les vêtements. Tiens, lève-moi ça. Donc, on va commencer par le corps entier. Donc on va sélectionner le pack, voilà, saison. On est parti pour les vêtements. Donc les vêtements, ok. Qu'est-ce qu'on a mis? Type de vêtements quotidien. Alors, on a une petite veste sur une petite robe, très sympathique, qui vient aussi dans pas mal de couleurs. Voilà, c'est un petit collant ou un petit legging qui est en bas. Un peu chaud. Voilà, mi-saison ou début de l'hiver. Après, on a la robe pull. Ah bah, comme les adultes, quasiment. Trop mignonne. J'aime beaucoup. C'est super sympa pour l'hiver. Après, non, il y a le costume de... Costume de oui-oui. Non, il y a le costume d'elfe. Avec les petits grelots sur les chaussures, nickel. Qui vient lui aussi en plusieurs couleurs, parce qu'après tous les elfes, c'est d'hiver. C'est divers et varié. Ensuite, alors là on est plus dans un manteau pour l'hiver, je pense. Avec... hop. Plein de couleurs, c'est joli ça. C'est mignon tout plein. Ensuite, plutôt un impair du coup.
Avec des petits chachas, coccinelle. C'est top. Ensuite, un petit jean avec une veste aussi pour l'hiver. Alors pour l'instant, dans le corps entier, il y a quand même beaucoup plus de vêtements d'hiver que de vêtements d'été. Mais enfin, on a déjà pas mal de vêtements de base, donc c'est pas très grave. Ensuite, ça, c'est plutôt la tenue pour aller jouer dehors ou dans la neige. Ou quand il fait très 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 froid. Voilà, voilà. Et pour finir, l'imper pour la pluie. Pour pouvoir sauter dans les flaques, bien sûr. Dans plein de couleurs. Ensuite, on a mis ça déjà. En habillé, on a quoi? Donc on a la robe pull, on a une petite robe toute mimi. Avec un petit nœud derrière, des petits strass. Donc ça c'est plutôt pour jour de l'an. Ou pour une fête. Ou ça peut être un mariage aussi. Hein. En tout cas c'est super sympa. Et après on a quoi? Oh, une robe avec des bretelles en dentelle. Très très joli. Alors peut-être pas en noir pour une petite fille, mais... Oh, c'est super joli. J'aime beaucoup en orange et en rose comme ça. C'est vraiment très très joli. Pour le sport, il n'y en a pas. Tu fais pas de sport. Pour dormir, tu dors pas. Pour la fête, on les a déjà vus. Et le maillot de bain. Donc on a un nouveau maillot de bain, une pièce pour les petites filles. Qui vient dans pas mal de couleurs aussi. Voilà. Donc ça, c'est fini pour le corps entier. On va aller voir ce qu'on a dans les bas et dans les hauts. On va commencer par les hauts. Hop, quotidien. Donc on a quoi? Attends, on va lui mettre un bas quand même en attendant. Ah, il n'y en a pas. Mais n'importe quoi, mais un pantalon, voilà. Donc on a en haut un petit imper. C'est super mignon, j'adore. C'est trop beau. Pour la mi-saison. Ensuite, un petit haut façon bûcheron canadien. Avec veste à carreaux et tout ça. Pareil, mi-saison, hiver. Hop. Ensuite, alors ça, c'est la tenue pour aller faire un bonhomme de neige. Chaque fois que je dis bonhomme de neige, j'ai envie de chanter la chanson de la Reine des Neiges, mais j'ai pitié pour vous, donc je la fredonne pas, mais chaque fois que je dis un bonhomme de neige, j'ai envie d'enchaîner sur la chanson, donc c'est compliqué pour moi. Non, j'étais là. Ensuite, on a une doudoune, quoi. Une doudoune qui vient dans plein de jolies couleurs sympathiques pour les enfants. Une veste, enfin un petit pull plus une veste façon comme la veste un peu moumoute des hommes tout à l'heure. Voilà, plein de couleurs. Oh, j'aime bien en délavé comme ça, c'est sympa. C'est sympa. Après on a une grosse doudoune. Donc là clairement c'est pour l'hiver. Hein. Voilà. Plein, 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 plein de couleurs. Donc le haut, c'est bon. Ah non, non, pardon, c'est pas bon. On a vu que le quotidien. Habillé, il n'y en a pas. Le sport, il n'y en a pas. Dormir, il n'y en a pas. La fête, il n'y en a pas. Les maillots de bain, il n'y en a pas. Voilà. C'est pour ça que je suis passée directement au bas. C'est qu'en fait, il n'y en a pas. Ah oui, du coup, j'ai enlevé saison. Donc... Il n'y a pas de bas, il n'y a pas de bas. Et il n'y a pas de bas. Donc en fait, il n'y a pas du tout de bas pour les petites filles. J'imagine qu'il n'y en a pas non plus pour les petits garçons. On va aller voir ça après. Il n'y a que des hauts et des corps entiers. Ensuite, les accessoires. Il n'y en a pas. Les chaussures. Ah non, pardon, je suis sur les maillots de bain. Ah, oui, si, il y a les gants. Il y a les gants. Par contre, il n'y a qu'une seule paire de gants, contrairement aux adultes. Pour aller faire des bonhommes de neige. Je me retiens. Des gants.
Parce qu'il y a des, c'est un legging de... Non, c'est pas un legging de là. Et ça non plus. Non. Alors ensuite, est-ce qu'on a des nouvelles chaussures? Oui. Alors attends, enlève ton pantalon. Avec un legging dessous, ça passe. Des petites bottes trop mimi de pluie avec un petit nœud derrière. Qui viennent aussi dans tout plein de couleurs, comme d'hab. Ensuite, on a des petites... Bah là, c'est plus des moon boots, quoi. C'est plus pour aller dans la neige. Pareil, tout plein de couleurs jolies, sympathiques. Et pour finir, les bottes de pluie. Enfin, deux autres bottes de pluie. Celle-là, un peu plus classique. Un peu plus... Oh, c'est trop mignon. Voilà, ça, c'est plus pour aller sauter dans les flaques et faire crier ses parents. Ok, donc on va changer, on va lui mettre une tenue complète. Voilà, parfait. Donc ensuite les petits garçons, on va commencer par les cheveux. Donc on a deux nouvelles coupes, une voilà classique, très sympa, qui ressemble un peu à ce qu'on a déjà, mais qui apporte un, voilà, une option de plus. Ensuite on a rasé sur les côtés, un peu plus haut sur le dessus, sur des cheveux crépus. Bon. J'aime un peu moins, mais c'est pas mal non plus. De toute façon, tout est bon à prendre et ça permet de pouvoir diversifier un peu les coupes des enfants. Ensuite, les chapeaux. Donc toujours le petit bonnet. Bah, c'est les mêmes que pour les filles, donc on va pas y passer 3 ans. Et on va aller voir directement les vêtements. Alors, on commence par le corps entier. Donc, c'est pareil. Les elfes, on les a vus. Ça, on l'a pas vu, je crois pas, chez les filles. Ça me dit rien. Donc, c'est une combi de neige, hein, clairement. Voilà. C'est bizarre, d'ailleurs, que les filles l'aient pas, mais... Alors, je suis complètement mirou et pas très bien réveillée ce matin, mais... Bon. Il me semble pas l'avoir vu chez les filles. Ensuite, on a... un petit manteau avec un petit pantalon. Voilà, plein de couleurs aussi. Après, là c'est pareil que chez les filles, c'est l'impair. Voilà, après on a un petit... Ah mince, c'est vrai que j'avais pas mis. Excusez-moi. Ah, il n'y a plus rien du coup. Donc si, on a dit l'elfe, ça, ça et ça. Oh, j'aime bien ça. Ça fait classe. Un petit manteau sur un jean, va-t'en de là, toi. Hop, très sympathique. Ensuite, ah oui, donc il n'y a pas la combi de sport, donc ça se trouve la combi est dans une autre catégorie et j'ai pas été voir chez les filles, c'est pour ça que je l'ai pas trouvée. Parce que c'était étonnant qu'elle soit pas chez les filles aussi. Un petit manteau et enfin le petit ciré classique. Après, en habit, on a quoi? Un peu le même costard que chez les papas. Pareil, plein de couleurs. Magnifique. Pour le sport, il n'y en a pas. Pour dormir, il n'y en a pas. La fête, il n'y en a pas. Ah si, la fête, on vient de le voir. Et... Ah! Alors, en maillot de bain, on a un truc... façon t-shirt anti-UV, j'ai l'impression, avec un petit short, c'est sympa. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il propose comme couleur. Ok. Oh, c'est mignon avec le petit poisson. Ok. Ah oui. Chaud, donc on a vu. Et froid, voilà, c'est dans froid. Donc à mon avis, j'ai pas été dans la catégorie froid des filles. Donc à mon avis, on a aussi cette combi dans toutes les couleurs. Ensuite. On va aller voir les hauts, n'est-ce pas? Donc ensuite, on a quoi? Donc la même veste que pour les filles, qui vient dans pas mal de couleurs. Ensuite, on a une doudoune, mais je crois qu'on avait la même chez les filles aussi. Ça aussi, on l'avait chez les filles, donc on va passer vite. Ça, on l'avait pas, par contre, chez les filles. Donc c'est un petit... Je vais pas te tourner, là. Voilà. Bon, c'est pour une petite fête, quoi, un petit gilet avec une chemise et un petit nœud papillon. C'est mignon.
La doudoune, c'est pareil, on l'avait chez les filles aussi, donc on va y passer rapidement. Est-ce qu'ici on a des pantalons? Je pense pas. Non, j'ai dit pantalon. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai... Ah oui. Non, bah, y a rien en pantalon, hein, comme pour les filles, sans surprise. Les chaussures, j'imagine que c'est les mêmes. Voilà, c'est les petites bottes, les moon boots pour la neige et les bottes de pluie. Les mêmes que chez les filles, donc on n'y revient pas non plus. Au niveau des accessoires, donc il y a les mêmes gants effectivement que chez les petites filles. D'être te mettre autre chose que ça quand même. Enlève les gants et enlève les bottes. Enfin du moins, mais autre chose. Voilà. Donc, pareil, les mêmes couleurs, les mêmes gants. Donc, on va pas revenir sur les différentes couleurs. Bah, écoutez, on va passer au bambin. Voir s'il y a des nouveautés pour nos chères petites... nos chers petits. Les cheveux. Je sais pas s'il y a des nouvelles coupes. Ah, si, il y a une nouvelle coupe. Oh, elle est trop mimi. J'adore. Avec le petit nœud, c'est trop mignon. J'adore. Je suis complètement fan. Donc je suppose que le nœud change de couleur, voilà. En fonction de la couleur de cheveux. On va rester brune. Les chapeaux, qu'est-ce qu'on a? Bah pareil, la petite chapeau d'elfe ou de oui-oui. Le petit bonnet. Et le chapeau de pluie. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a aussi des couleurs? Il n'y a plus ma fraise? Non, il n'y a pas de fraise. Oh, il est trop beau celui-là. Ah, ça peut être chapeau de pluie et puis chapeau d'été aussi. Hein. Tout dépend comment on le porte. Bon, c'est trop mimi, j'adore. On ira voir après chez les garçons. On va aller voir les vêtements. Qu'est-ce qu'on a comme catégorie de vêtements? Alors. Ah oui, je crois qu'ils se sont fait plaisir. Catégorie de tenue quotidien. Donc, un petit déguisement d'elfe. Une petite tenue de pluie. Dans plein de couleurs, mais c'est un peu les mêmes couleurs que pour les enfants. Alors là, comment dire? Un costume de sapin qui ne sortira jamais de mon placard. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça à mes bambins, je les aime trop pour ça. Et après, on finit de nouveau par une petite tenue pluie, un peu mi-saison, avec plein de jolies couleurs. Voilà, un peu assorti au chapeau qu'on a vu tout à l'heure. Très sympathique. Tu veux pas t'en aller, toi? Ensuite, donc ça c'était la catégorie quotidien, pardon pour ma voix. Elle est en train de me lâcher total. Donc là on a une petite robe trop mini. Pour les fêtes de fin d'année, ou pour les fêtes tout court, les mariages. Tout ça. Elle est juste magnifique. Avec les petits cœurs, le petit gilet, c'est trop mini. Je suis complètement fan. Je suis fan de quasiment toutes les couleurs. C'est vraiment top. Ensuite, pour dormir, bon bah y a rien. Pour la fête, et ça, ce sera mieux, on vient de le voir. Les maillots de bain. Alors là, c'est trop beau. J'adore. Je sais que j'arrête pas de le dire, j'adore, c'est trop beau, mais... C'est trop mimi avec la petite jupette. J'adore. Il y a plein de petites couleurs. Oh, c'est trop beau. Oh, celui-là aussi. Le petit maillot, une pièce. Avec les petits volants, c'est trop mimi. C'est vraiment trop... Oh, ils sont trop beaux. On va s'éclater. Ils sont magnifiques. Et enfin, la dernière tenue. Donc, une tenue, voilà, maillot de bain, mais plus couverte, quoi. Un peu anti-UV. Voilà. Hop. Ah oui. Et donc ça c'est une tenue de froid. C'est un peu comme la combi. C'est un peu la combi neige pour quand il fait froid.
Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors, Léo, est-ce qu'il y en a? Oui, il y a ça. Petite veste avec une doudoune par-dessus. Et je pense que c'est tout ce qu'on va trouver ici, d'accord. Et en bas, des bas, je pense qu'il n'y en a pas. Ok, bon, bah, il n'y a pas de bas. Ok. Donc, on va lui mettre cette petite robe parce que je la trouve trop belle. On va la mettre en rose pour aller raccord avec mon petit nœud. Il tient comme ça. Ouais, c'est joli, c'est coloré. Trop beau. Est-ce qu'on a des accessoires? Oui, on a les gants. Bah, c'est les mêmes gants que les enfants, donc c'est les mêmes couleurs, tout ça. Ok. Est-ce qu'on a les nouvelles chaussures? Oui. Oh, c'est trop beau. Les chaussures de pluie, les petites bottes. Ensuite, on a des petites boots. Et enfin, des petites chaussures d'été. Oui, c'est ça qui manque. Il n'y a pas du tout de chaussures d'été dans les autres catégories. Mais au moins, ils ont pensé au bambin. On a des petites sandalettes d'été. Au top. Du coup, on va refaire la même, mais on va transformer la demoiselle en un garçon, n'est-ce pas? Hop. Et on va aller voir s'il y a, par exemple, des cheveux pour les garçons. Oui. Ah, magnifique. La coupe au bol, chaussée au moine. Au top. C'est... Voilà. La coupe chaussée au moine, coupe au bol, Almira et Mathieu, comme vous voulez. Mais finalement, sur un petit bambin, comme ça, ça choque pas trop. C'est mignon, même moi je le trouve mignon comme ça. On va le laisser comme ça. Au niveau des bonnets, bon bah c'est la même chose que pour les filles, sauf qu'il y a donc une casquette en plus pour l'hiver. Pour l'été, pour l'hiver. Il y a une petite casquette en plus. D'ailleurs, c'est bizarre pourquoi il n'y a pas de casquette pour les filles. Alors, soit je suis complètement à côté de la plaque, soit il me manque plein de choses. Par contre, la visière est très très grande. Il faut beaucoup protéger du soleil, dis donc. Sinon, après, bonnet, chapeau, comme pour les filles. Les vêtements, est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport aux petites filles? Non, le haut, c'est le même. Il n'y a pas d'habits, ok. En tout habillé, on a quoi? Donc, tout habillé et choix de tenue quotidienne. Donc, on a les mêmes déguisements, l'elfe et le sapin. Et on a exactement les mêmes tenues. En habillé. Ah, on a un petit... Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop, trop top. On a une espèce de petit costard. Trop mignon. Franchement, ils ont grave assuré. Il est super. Il est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Pour dormir, on n'a rien. Voilà, pour faire la fête, on a le même. Qu'est-ce qu'on a vu? Et pour le maillot de bain, alors on a quoi? Donc on a une petite tenue, ouais, une combi façon UV ou si l'eau est trop froide. Qui vient donc dans plusieurs couleurs. Et le même petit ensemble que pour les filles. Voilà. Et puis c'est tout au niveau des vêtements, au niveau des accessoires. Bah j'imagine qu'on va avoir les mêmes gants. Voilà. Et puis au niveau des chaussures, on va avoir les mêmes, ou presque. C'est-à-dire qu'on a... Ouais, les moon boots c'est les mêmes. Voici les sandalettes c'est les mêmes et tout est pareil. Ok, donc c'est exactement les mêmes. Et bah écoutez, je crois qu'on a terminé le CAS. La vidéo était un peu longue, je suis désolée, mais il y avait... tellement de choses à vous montrer. Donc on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, le gameplay. On va pouvoir voir les différentes saisons. Je vais peut-être très certainement faire une vidéo par saison pour découvrir un peu tout ça. Et puis les objets, la construction. Enfin, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.